chercher de l'information. On a essayé de travailler tous les trois sur un même problème. Déjà, on a travaillé pour trouver un sujet qui pouvait être, enfin, c'est pas un sujet, mais une raison qui pouvait être assez évocative pour que tous les trois puissent y mettre du leur et trouver un champ commun, qui était donc cette idée assez utopique et, d'un côté et abstraite et en même temps pas du tout. D'une idée d'un décollage d'un appareil, d'un avion, qu'il soit un avion d'enfant ou des frères Wright ou un avion high-tech, panneau solaire, je sais pas. Et d'après, de donner une réponse de l'autre côté à Montreuil, comme s'il y avait une question, une réponse, ou plutôt deux réponses, ou peut-être deux questions. Dans notre société de l'aéroport, c'était cette notion non-stop de rentrer-sortir, donc de donner ce côté un peu de machine. Et c'est ce qui est le côté super intéressant aussi dans les aéroports où tout le monde est un peu comme des robots. Donc le point de départ, c'était une double invitation à faire une exposition dans deux lieux. Et ce qui est intéressant, c'est que les Farrell se sont tout de suite utilisé cette opportunité pour créer un scénario entre les deux espaces et créer une seule et même exposition qui soit en deux parties. Alors les premiers brainstorming qu'on a fait, les premières réunions, ils ont tout de suite parlé des films d'action où on voit toujours une action qui se déroule dans un temps donné, à un endroit, et puis on va voir une autre partie du film qui va se dérouler exactement de la même façon, mais où la caméra va se déplacer et va filmer d'un point de vue différent. Avec le décollage à main d'œuvre, l'atterrissage à maison populaire et le suspense entre les deux. When the war is over. They will lie on the Riviera. Tout le monde a passé la quarantaine, disons. Et donc, pourquoi pas, c'est le moment d'essayer de faire quelque chose ensemble, quoi. Justement, de mettre en commun tous nos propres singularités artistiques et que tout le monde, oui, depuis pratiquement 20 ans, fait son travail en tant qu'artiste ou musicien. Sans prétention, quand tu observes beaucoup de gens dans le monde entier, quelle qu'il soit justement la classe sociale, souvent, les familles, à un moment, s'explosent ou se séparent complètement. Et après la quarantaine, oui, entre frères et sœurs, il y a beaucoup moins à se dire. Ou les gens se voient seulement pour les mariages, les baptêmes ou les funérailles. Notre travail en tant que commissaire, c'est d'avoir ce désir de faire quelque chose avec trois artistes qui sont frères et donc de penser cette exposition en termes d'une famille, donc la famille Farrell. Chemeus, on le connaît beaucoup plus pour un art extrêmement proche du recyclage, hein, de matériaux assez simples, le verre, le carton, le journal, des choses qui sont très très basiques. Malaki, lui, avec des systèmes extrêmement complexes, des robots, des ordinateurs, des séquences enregistrées, des boucles. Et Liam, lui, qui est beaucoup plus proche de la musique. Les trois ont ce point commun de sans arrêt mixer les références, les styles et les genres. C'est ça qui, du coup, a fait de cette exposition un vrai monde. Et quand on n'entrait pas non pas dans une exposition qu'on visite d'unité en unité, mais on entrait dans une œuvre totale.
On se réunit dans l'atelier de chez Meuss, on arrive dans l'atelier et là un énorme rouleau de plusieurs mètres était déroulé sur un mur avec tout le schéma de l'exposition. On a eu beaucoup de rencontres avant l'exposition et à chaque fois tout le monde presque repartait de zéro avec des nouvelles idées, des propositions, contre-propositions. Jusqu'à, de manière progressive, qu'il y ait un amalgame et qu'on arrive à faire quelque chose. Et sur ce schéma, on voyait très bien énormément de petites images de foule, de gens dans des files d'attente, que ce soit à l'aéroport, que ce soit les grandes files d'attente pendant les famines de la crise de 1929 aux États-Unis. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Pour les Farrell, l'aéroport, c'est vraiment l'emblème même des paradoxes de notre société. Les files d'attente, la vitesse, la haute technologie, l'ouverture des frontières. Donc ça nourrit leur imaginaire, sachant que ce sont des artistes qui voyagent énormément. Chez Meuss, c'est quelqu'un qui travaille énormément à partir du recyclage, qui n'est pas du tout dans les faits. Il est très très proche des autres artistes. D'ailleurs, il a un atelier qui s'appelle le Lavomatique, dans lequel non seulement il invite beaucoup d'artistes à venir travailler avec lui, mais aussi à exposer. Il a fait beaucoup d'œuvres à partir de gravures sur verre. D'ailleurs, c'était un élément très important dans l'exposition. Il va énormément graver de phrases ou de citations qui viennent soit du cinéma, des journaux, de l'économie. Et ça, tu peins dessus, c'est ça? Hein? Bah oui, c'est là où je fais les Nazcas avec le fluo que j'ai chopé. Regarde, tu veux voir le dessin, c'est là. Non, t'as le Garza, le Legato, las manos. C'est au Pérou, c'est ce qu'on appelle les lignes Nazca, qui, soi-disant, sont les terrains d'atterrissage des dieux. Non, ça marche, moi je sais très bien. Selon les moments, quand il y a après les lumières, ça reste un peu, on les lit quand il faut. Faut pas que ça soit trop évident. Liam, c'est le second de la famille Farrell, alias Doctorel. C'est un artiste avec un parcours incroyable. Il a commencé à 14 ans comme batteur de Rita Mitsouko, des Vampas, il a travaillé avec Assassin, Tony Allen. Il a travaillé les plus grands noms de la musique, tout en gardant toujours une liberté. Et il a un côté touche-à-tout, ce qui l'amène de façon complètement décomplexée à s'intéresser à la photographie, au dessin, à la vidéo. Il fait beaucoup de films. Dans l'exposition, il y a autant des références à Funkadelic qu'à William Ross Commercer, qui était un animateur américain qui était très actif aussi dans la poésie, à Michael Jackson, au président des États-Unis, au dollar. I call the East, yes, I call the West. I just hope for the best. Là, en fait, j'ai déjà commencé un peu une bande-son sur 8 points, sur 8 enceintes, qui est entre des conversations de la guerre d'Irak entre leurs QG, les tanks et les hélicos et tout ça. Sur des c'est des bavures qu'il y a eu pendant la guerre d'Irak où il tue des journalistes et c'est assez ironique, donc c'est assez horrible et c'est mélangé avec
une partie de tennis. Il y a eu un truc étonnant, en fait. Je crois que c'est la première fois où, indirectement, ils ont filmé des choses, mais... tu vois, d'un réalisme et d'un, t'as l'impression que c'est presque scénarisé. En direct, filmé par des hélicoptères. En fait, des journalistes qui se sont pris pour cible parce qu'ils pensent que c'est des talibans. C'est fait avec une ironie de la part des militaires. Ils sont en train de dire... Ah, oh, t'as vu sa tête, elle a éclaté, les voitures, il lui roule dessus. Il y a un mec qui part en rampant, il le bousille. Ça ressemble tellement aux séries B américaines que la réalité et la fiction est une confusion. Et le problème aujourd'hui, c'est que la réalité demande à être réfléchie. Et en plus, j'ai envie de te dire un truc très moche, exactement comme les Twin Towers, c'est affreusement beau. Il y a un autre côté dans les images, et je vais utiliser, vu qu'on fait un truc un peu drôle, un peu jeu vidéo, je me suis inspiré de tout ce qui était computer art des années 50. J'aime beaucoup l'ambiance que ça met, un peu psychédélique, disons. Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety, please take a moment to watch the following safety video. Ce film concerne votre sécurité à bord. Donc il y a du computer art et ça un peu. Moi je fais plein de tests, en fait j'ai plein d'idées, après c'est en les faisant je vois si c'est probant ou pas. Mais en gros, c'est si tu es au centre et que tu es dans le truc et tu sens le mouvement des informations, l'idée elle est là. Il y aura aussi le son de Malaki. Malaki, c'est pour ça. Ça à mon avis, tel que vous le décrivez, ça va cohabiter mais absolument. Ça n'a jamais gêné ce problème. Même à main d'œuvre, c'est même plutôt bien. Oui. C'est juste quand il y en a trop en même temps, tu perds le fil. Mais par exemple, les chaussures et la bande-son de World of Money, ça marche super bien. Ouais, bon, bisous. Donc pour main-d'œuvre, le film principal, A World of Money, si tu le regardes bien, il a plusieurs dimensions, plusieurs profondeurs. Il y a une espèce de... De même, on blague en permanence sur les expositions d'art. C'est que si on regarde bien, en fait, c'est toujours comme si tu passais devant un mur, comme si tu voyais des installs ou des objets, et en fait, c'est toujours des dollars. Et donc, il y a un truc entre ça, l'univers et l'histoire de l'argent et du capitalisme, et du bien que ça nous fait tous. But nobody seems to care. Tout le monde a sa petite histoire, son petit, sa carrière, donc tout le monde a sa façon de voir déjà les choses. On n'a plus 10 ans, quoi. Et c'est assez rigolo, mais en même temps, ça se fait assez simplement. Tu sais, dans les expos, on a quelques objets et quelques idées en relation, et après, chacun rajoute un peu ce qu'il ressent vis-à-vis de la mise en situation des autres et de soi-même. Le grand challenge du projet, c'était de vraiment co-signer l'œuvre. Donc, une fois que c'était un peu compliqué, des fois, on avait même peur que ce soit un peu les frères Gallagher. Voilà, c'était ça le challenge, parce que jamais, aucun moment, les trois se sont dit « Bon, bah, moi, j'ai exposé ça, moi, j'ai exposé ça. » Les trois vraiment conçu le projet et pour le co-signer et... à nos risques et mes périls à tous. C'était compliqué pour nous de voir comment on va pouvoir travailler à trois. Donc voilà. Et comme c'est les trois frères, on est trois acharnés, voilà, c'était un peu compliqué à visualiser aussi comment on y arriverait. Strange Fools, c'est une œuvre qui est typique de l'art de Malaki, puisqu'elle est faite de chaussures qu'il a récupérées. Il les a assemblées pour les suspendre au plafond et il les a équipées de petits robots et il les a découpées de façon à ce que les chaussures s'ouvrent et parlent aux visiteurs.
Elle parlait avec la voix de Peter Sellars dans Docteur Follamour et elle chantait She Loves You des Beatles. C'est une œuvre à la fois complètement usuelle, complètement quotidienne avec ses chaussures et en même temps complètement magique. Si on devait essayer de faire un lien avec l'histoire de l'art, ce serait l'art brut et l'arte povera, qui est cette volonté d'être extrêmement direct avec des moyens très très simples. On pourrait dire que Malakis, c'est le Van Gogh de l'art contemporain. C'est un artiste qui est complètement dévoué à son travail et qui fait un art très expressif. Même s'il reste très très simple, ce sont souvent des installations extrêmement complexes qui souvent se déploient entièrement dans l'espace, donc ce sont des installations totales. C'est un peu sur le principe de voler des éclairages. Et ça t'envoie plein de types de petits éclairages différents et c'est l'idée voilà, que tu montes un petit peu les marches et que tu redescends vite. À chaque fois quand tu sors le prototype, dès que tu as pu fabriquer une petite série, là, c'est là où tu peux commencer à les animer et voir ce que ça donne comme des patterns, comme des musiciens, et ce que donnent les rythmes, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce que ça donne un peu comme effet, quel est l'effet le plus 1, peut-être le plus agressif, 2, le plus soft, qu'est-ce qui est l'entre-deux. Et comme ça, tu catégorises tout, un peu tous les trucs, et puis après, tu fais du freestyle aussi sur le côté pour voir un peu ce que le freestyle donne. C'est de la performance, quoi. Les machines sont là pour mourir pour le public, quoi. C'est le public qui les tue, quoi. Le truc est là pour qu'il les nique, quoi, comme on dit. Jusqu'à qu'il s'épuise, le truc. Et que moi, je viens réparer jusqu'à l'épuisement tant que le truc doit être exposé. Donc, on a passé, quoi, une semaine à fabriquer l'avion. Les trois frères, avec Mossine. Tout est programmé sur place, retravaillé et ajusté sur place. Mais c'est une part de liberté aussi qu'on se donne dans cette expo, parce qu'en fait, d'habitude, moi, je me donne plutôt un scénario assez strict. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comme on est plusieurs, ça va dans tous les sens. À la fin, il y aura aussi plein de choses différentes dans ce même univers, quoi. Il y a plein de fils électriques, je ne peux pas me permettre de t'enlever tous les fils électriques et les déplacer, c'est pas possible. Tu ne peux pas passer. Si vous collez les fils électriques au. Oh, oui, c'est sûr. Mais Malaki, ce que je ne comprends pas, tu ne peux pas les éviter. Non, mais Malaki, pour quand même savoir où t'en es. Tu ne viens pas en poser un, voir comment tu peux le poser. Il n'y a même pas besoin, parce qu'il y a le rail, je le vois tout de suite, tout le mécanisme, il ne peut pas aller comme ça que ça peut. On va aller faire des tiges filetées, les tiges filetées vont dépasser, on va mettre des gros tasseaux. Et on va en mettre deux sur chaque truc. Bah, où est le problème? Tu ne mets pas où il y a des fils électriques. Comme tu passes à travers c'est les fils, c'est beau électrique. Je suis en train de dire que je dois descendre le plafond, c'est tout. Je suis en train de prévenir dans mon cahier des charges de ce qui se passe. Ça descendra plus bas, c'est tout. Il est dans ma poche. Mais quand il Ah, tu l'as vu, c'est très bien. Mais j'attends le bon moment. Les trois frères Farrell ont un père, Michael Farrell, qui était un des plus grands peintres irlandais dans les années 70 en Irlande. Au sens où, en fait, notre père, il n'a jamais réussi, quoi. Donc, au niveau business, c'était le plus foireux du monde. Donc, en fait, on a vécu. Mais si, arrête. Non, parce que fin des 60, il non, mais attends, laisse-moi juste terminer. Je veux juste terminer. On finissait souvent, tu vois, avec le père, genre, pour aller en Irlande avec les peintures dans les rouleaux, avec dans des camions d'oignons. Ou de poissons. Tu vois. Et c'était spécial. Pour les transporter. Ouais. Et toi, t'étais dans le camion avec le transporteur et le mec, il te parle et tout. Tu fais, OK, Dublin, c'est quand qu'on arrive. Tu vois, genre, donc. Tu comprends une espèce de liberté de sampler, de. Ah, mais moi, je dois démonter l'escalier et je dois resserrer des trucs. Je dois faire de la mécanique. Ah, mais moi, je dois faire de la mécanique. Ça n'a pas été rose tous les jours. Entre les duretés économiques et aussi de conflits. Parce que c'est pas toujours évident. Au début, quand on est arrivé justement à la ruche, on a vécu à 5 personnes dans 35 mètres carrés pendant 6 ans. Quoi. Donc c'est pas toujours évident de vivre l'un sur l'autre. Quoi. Donc c'est, oui, il y a ce côté artiste qui te déclassifie, dans le sens que t'es ni prolo, ni bourge, ni moyen, ni. Quoi. Tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait presque quelque chose de social avec les artistes. T'avais l'artiste le plus connu, comme socialement il serait un peu plus haut que les autres. Celui qui était un peu moins connu,
peu plus bas, puis après les autres, tu vois. Et donc c'était un peu étonnant de voir que dans l'art aussi, normalement, il n'y a pas d'échelon ou de trucs, et en fait il y en a, et donc c'est très effrayant de voir que même dans l'art, tout d'un coup, on retrouve tout ce que, entre guillemets, je déteste, c'est tout d'un coup, voilà, la même chose qu'on essaie de combattre, on le recrée de l'autre côté. Dans la vie, ils sont... Ben, ils sont pas tout seuls, quoi. Ils sont accompagnés. Il y a des figures autour d'eux quand même importantes dont je fais partie, évidemment. Il y a Clémence, il y a leur maman. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de facteurs réunis qui font que leur travail existe parce que, justement, nous sommes extrêmement proches les uns les autres, aussi dans une très grande diversité, quoi. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la connaissance, c'est comment aller toujours plus loin, quoi. Voilà, donc c'est dans cette diversité-là qu'on se retrouve. And every week, the best young people we all know are shipped out to die. Control. But nobody seems to care. Control. But nobody seems to care. L'ambiance de la maison pop était beaucoup plus recueillie, beaucoup plus calme, beaucoup plus religieuse. Ce film concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture pour votre sécurité. Put yourself in front there, in front. Mais oui, mais écoute, mais regarde, celui-là, ouais. Mais c'est ce que tu voulais, non? Donc c'est parti dans des hélicoptères, maintenant, plus ou moins dans un environnement d'aéroport. Mais ça reste niveau très mystérieux, moi. Les panneaux lumineux exit vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez maintenant le panneau exit le plus proche de votre siège. Il peut se trouver derrière vous. Well, that it will never hold. But we can see. Passez la tête dans l'encolure, attachez et serrez les sangles. Place it, and pull the straps tight. Thank you.
Thank you.